Bonjour tout le monde, bienvenue. Ici Jay, que vous êtes sur Iva Sound Studio. Et en ce jour férié du 11 novembre, je vous propose un jeu rétro qu'on n'a pas encore fait en termes de licence, que je connais pas du tout en termes de licence, son nom. C'est Shantae. Et pour le coup, c'est Shantae and the Pirate's Curse, la malédiction des pirates. C'est un jeu qui à la base est sorti le 23 octobre 2014 sur Nintendo 3DS et plus tard sur Wii U, Steam, Xbox One, PS4, Switch, etc. C'est développé par Way Forward Technologies et Inti Create, si je ne me trompe pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Shantae, c'est quand même plusieurs épisodes, plusieurs jeux, et que celui-là, c'est le troisième en fait dans la liste de la série Shantae. Voilà. Et en fait, je possède pas tous les Shantae. Et là, c'est l'occasion d'en faire un, et on verra si c'est intéressant, si ça fonctionne bien, on fera peut-être d'autres plus tard. Voilà pour les Shantae. Un petit truc juste avant, vraiment juste avant de commencer, parce que voilà, je me permets de mettre la notif qui était en off de mon propre abonnement sur la chaîne Iva Sound. Évidemment, c'est important de soutenir son propre projet. Allez, Shantae and the Pirate's Curse, appuie sur A pour commencer, c'est parti. Pour information, je joue sur la version de la Nintendo Switch. Alors, option direct, volume de la musique 100, volume sonore 100, on verra, on modifiera peut-être ça. Ça a l'air d'aller côté stream, moi côté télé, ça a l'air d'aller. Option, ok, contrôle, simter, c'est L, chapeau, c'est R, pause, c'est moins, sous-menu, c'est plus. La lampe c'est X, interagir c'est A, ça c'est classique, sauter c'est B, c'est classique, attaque c'est Y, ça reste du classique, les mouvements c'est le joystick, on est sur des choses totalement classiques. C'est parti pour une nouvelle partie justement de Shantae and the Pirate's Curse, voici une cinématique. Oh oh oh, oh c'est en français. La magie qui m'entoure est devenue si faible. Il est temps d'invoquer la malédiction. Écoutez-moi, loyaux serviteurs, c'est une tombe ça. Une nouvelle source de mal a été découverte. Trouvez-la pour votre maître, afin que je puisse renaître et reprendre ma place en tant que seul souverain de Sekinland. Ah 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 ah. Ah, j'ai encore fait ce rêve. Waouh, c'est le même toutes les nuits. Depuis que je suis devenue humaine. Et oui, parce que là, du coup, à la base, Shantae, si je me trompe pas, c'est une génie. Et qui a perdu ses pouvoirs. Trois petits points. Wow. Mais que se passe-t-il? Skull... Ah, là, il a eu le temps de se changer. Skull Town est attaqué. Je ne suis peut-être pas un génie, mais c'est encore mon devoir de protéger cette ville contre le mal. Très bien. Oh, je suis content, c'est un français. Ça me plaît bien. Alors, sauter. Attaquer avec ses cheveux. Ça, c'était quoi? Je sais plus. Là, on n'a pas. Ok. Il y a des contrôles qu'on n'a pas pour le moment. Je ne connais rien du jeu, ni de la licence. Donc, s'il y a des secrets et tout ça, je ne suis absolument pas au courant. Ok, on est sur ce genre de défi. Hein. Très bien. Sky, Bolo. Mais c'est encore une attaque de pirates. C'est l'âme au baron. Il est en train de changer Skeletalton en champ de bataille. Tiens, une potion auto au cas où. Vous avez obtenu une potion auto. C'est quoi une potion auto? Il est temps de mettre ton entraînement à l'épreuve. Tu es humaine maintenant et tu dois te battre en tant que tel. Ici, prendre ce boule à pointe. Ah non, c'est pas lui qui parle, d'accord. Ici, prendre ce boule à pointe. Vous pouvez l'activer à partir de l'écran d'inventaire. Je vais rattraper Sky. Vous avez obtenu une boule à pointe. Bolo a raison, je peux y arriver sans ma magie de fille. Skeletalton, sauter. Inventaire, non ça c'est pause. Sous-menu, très bien. Potion auto, la potion suprême qui restaure tous les points de vie. Boule à pointe, protégez votre corps pendant un temps limité avec cette balle en métal qui orbite.
Oui, mais ouais, il y a marqué 1, j'allais me poser la question, est-ce que ça revient, mais en fait non, c'est du consommable. Alors attendez, inventaire. Objet clé. Carte. Ah bon, ok, d'accord. Comment on enlève ça? Très bien. On est sur un jeu type, j'ai l'impression, Monster Boy. Ok, pour attaquer ça. J'aime pas les tremblements. Je suis vraiment pas fan. J'ai déjà perdu un peu de vie. Tiens. On peut sauter sur ça, d'accord. Et là, on récupère des cœurs. Donc dans les tonneaux, il y a des choses. Okay. Voilà, on se calme, les pirates. Vous avez obtenu du lait de monstre. Bon, c'est pas grave. On avance, on va bien voir ce qui se passe. Les tremblements, c'est vraiment pas agréable, hein, par contre. Voilà. Mais c'est qu'ils font mal! Ok. Les rouges, c'est deux coups. Après, ils détruisent tout, hein. Ils s'embêtent pas. Une sorte de monnaie. Grand cœur. Hurrah, voilà le génie protecteur de Skuttleton arrivé pour nous sauver. Enfin, monsieur le maire, je ne peux pas combattre l'armée ammonienne toute seule. Faites quelque chose. Mais je n'y peux rien, j'ai vendu notre ville à l'âme au baron depuis dans un moment de faiblesse. J'ai dépensé l'argent dans du chocolat ciré pas cher et j'ai tout mangé. C'est quoi ce maire incapable là-haut? Le mec, il vend la ville. Mais ses administrés, ils s'en foutent. Changer de maire. Hein. Après, j'ai eu un appel de la nature et le temps de revenir, il avait déjà commencé à aménager. La ville lui appartient, je ne peux pas le chasser. Peu importe. Magie ou pas, je suis Red Fugo. J'ai pas le jeu de mots là. Attendez, Red. Red 2. J'ai pas du tout le jeu de mots en fait. Red Fugo. C'est quoi ça, Red Fugo? Ready? Elle est prête? Ah, d'accord. Donc là, on est sur. Un peu comme comment ça s'appelle, Metal Slug. Ok, bon, on avance. J'ai failli tomber dans l'eau, hein. Non, le tonneau là, on s'en fiche. C'est quel tonneau qu'on peut casser? Je sais pas. Oui, alors par contre, ok, je suis obligé de prendre des dégâts, c'est pas agréable. Ah ok, maintenant on nous met donc bleu un coup. Rouge deux coups, noir trois coups, on retient. C'est pas un double saut. C'est super agréable d'avoir un double saut. Il n'y a pas de système d'XP, donc moins il y a d'ennemis à combattre, plus j'avance. Ah d'accord, ok, donc je peux me baisser, ça se fait pas. YOLO. Non, j'ai failli tomber. Non, c'est vraiment au pixel, hein. C'est au pixel. On est sur du jeu vraiment typé rétro au maximum. Ok. Alors. Il y a quelque... Oh, il y a des choses cachées en effet. Quoi de la vie, je sais pas, non, ça, je ne sais pas ce que c'était. Mais il a sauté. Ah oui, mais il m'embête jusqu'au maximum les machins. Vas-y, saute, voilà, tac, et je l'arrive même pas. Ah, j'essaie de faire attention, mais c'est pas possible. Alors là, il va retirer. 1, 2, 3, on saute. 1, 2, 3, tant pis pour toi. Tac. Voilà, ok. Hein. Non. Je peux pas l'attaquer du tout.
Je peux pas l'attaquer? Sérieux? Ah ok. Par contre, il peut péter tout. Je pensais pas qu'il y avait... Ok, d'accord. Ça, c'est pas cool. 1, 2, 3. Punaise, la rapidité. Comment voulez-vous que je fasse? Hop, là, on saute. Ok, très bien. On saute. On attend. On y va. Là, c'est pique. Il est là. On attend et on va ici. Très bien, un cœur. 1, 2, 3, c'est parti. On avance. 1, 2, 3, tac, tac. Ici, c'est bon, on essaie. Ensuite, ici. Oh là là, la galère, mon dieu, le stress. Ce jeu va être stressant. Très stressant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des mines. Ils vont faire péter le pont. Ah oui, ils m'attaquent aussi. Voilà. Et ils veulent, en plus de ça, mettre des coups d'épée, c'est pas cool. Et là maintenant ils sont 4, ah oui d'accord. D'accord, très bien. Très bien. Et là il y a les gens. Eh, tu as réussi. Oh, bel oiseau. French. Bon. Ouais, ça va être difficile à prononcer. French dit que l'âme au baron est juste devant. Très bien, parce que j'ai un message pour lui de la part de ma crinière pour son derrière. D'accord, mais tu devrais repenser tes rimes. Dialogue sur. Je trace, hein. Je suis en train de tout péter. Que ça. Ah. Veux-tu sauvegarder? Oui, bien sûr que je sauvegarde. Ah, la sauvegarde, c'est comme ça? Oh, punaise. Au secours. Amo Baron. C'est bien, continuez, détruisez cette école maternelle. Faites-en un canon à longue portée. Et cette maison de retraite, un autre canon. Ça commence vraiment à prendre forme, Sniff, j'en ai les larmes aux yeux. Arrête tout de suite, Amo Baron, personne n'arme les vieux sous ma surveillance. Boum, vous n'auriez pas dû. Elle est là pour danser à mon pot de victoire. J'approuve grandement. Oui, elle sera parfaite. Quelle toupée. De quoi est-ce que j'ai l'air? Bah, d'une sorte de danseuse, je crois, non? Bah oui. Oui. Ah oui, enfin, peu importe. Arrête de détruire notre ville. Selon la loi d'équité envers les propriétaires fonciers bedonnant accro au chocolat, le maire Skuttlebutt a 30 jours pour reverser l'intégralité de la somme en liquide ou en friandise avant qu'il soit légalement propriétaire de la ville. Hein? Attends. Elle a raison! Mais je ne laisserai pas une gamine aux cheveux violets se mettre en travers de ma route vers mon nouvel empire! Badoum, dansons! J'ai pas d'arme, hein. J'ai pas d'arme! Ça va faire quoi? Là, c'est moi qui perds la vie, là. Je sais pas quoi faire. Potion auto. Oh non! Ah, c'est l'urèse, au secours. Mais... Non, c'est pas ça. Je pense qu'il faut que... Les canons rouges les renvoient. Je sais pas comment. Ou alors faut que je saute sur les canons rouges, peut-être? Non, je ne saute pas sur les canons rouges, très bien. Ou alors je saute là. Non, c'est pas ça non plus, très bien. Ok, c'est bien ça. Je les renvoie. Il va où? Eh non, j'ai foncé dans les pics de la machine. Ça commence bien. Réessayer. Alors attendez. Amo Baron, tout ça, blablabla, bla, bla. On l'a vu.
Maboule militariste mécanisé. Bon, alors, il fonce. On recule. Trois coups. Non, il refonce. Ok, on recule. On avance. Trois coups. Mais il fait faire que ça? Mon dieu, mais c'est quoi ce tir qui est parti Ok, j'ai pas eu la synchro. Non, toujours pas. Il a fini, oui. Punaise. Ok, ça c'est fait. Quand il veut. Punaise, mais... Et là... Mais ça se joue vraiment, c'est du placement très 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 précis. Hein. Mais et là c'est le rouge. Ok, c'est fait. J'espère qu'il y a que trois machins, mon dieu. Le rouge. Ok, c'est bon. Non, c'est pas fini. C'est que j'ai déjà plus de vie en fait. Non, toujours pas. Hop là. 1, 2, 3. Hop là. Et là le rouge. 1, 2, maintenant. C'est toujours pas fini, punaise. Potion auto. Rouge. 2, maintenant. Ah ok. Voilà pour toi. Non, qu'est-ce que tu as fait à mon tank? C'était un cadeau de ma mère. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? C'est l'âme au baron. Il essaye de détruire Scuttleton. Je vais récupérer mon chevaux là. Stop! Qui a dit ça? Qui? Que? C'est là! Garde royale! Ils vont régler tout ça! Génie protectrice, tu dois cesser de ton attaque par ordre de la sultane de Sekinland. Quoi? Moi? Moi, tu vois, la loi est de mon côté, ma petite. Mais c'est lui qui... Pour avoir attaqué le propriétaire de droit de cette ville, ton statut de protectrice est officiellement révoqué. Vous avez obtenu la convocation de la cour. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es officiellement assigné à résidence jusqu'à ton audience au palais de Sekinland. Tout ton armement spécial te sera confisqué à ce moment-là. Bonne journée. Bon. On dirait que quelqu'un a gagné une coupe de cheveux. Ah, regarde. Ils ne peuvent pas prendre mes cheveux, hein. C'est tout ce qui me reste. Fais ce qu'ils disent pour l'instant. Mais si. Patience, je vais aller moi-même au palais pour régler ça. Promets-moi juste que tu ne vas pas t'attirer d'ennui. En majuscule. Promis. Ma pauvre petite ville. On a raté notre coup, hein. Quel cata. Ton oncle a raison. Nous n'avons plus qu'à faire confiance aux autorités et espérer que tout aille pour le mieux. Attendez. Comment est-ce que je me suis retrouvé dans ce pétrin? Bah en attendant, il y a un tank en moins. Hein. Cette vermine de Risky Boots, depuis qu'elle a volé ma magie, les choses n'arrêtent pas d'empirer. Un bon bain chaud est exactement ce dont j'ai besoin pour me vider l'esprit. Et là, il arrive un grand malheur, ils vont dire « Oh bon, bah, finalement, il n'y a que Chantal qui peut la sauver la ville, rendons-lui ses pouvoirs. » Attends, je n'ai pas de baignoire, moi. Ne me dis pas. Eh bien, quelle vue! Risky Boots, en chair et en os. Alors, en train d'apprécier ma baignoire, attrape Nunuche et Nini. Ah, ça va être ta fête quand je sortirai de là. Allons, tu me donnes la chair de poule. Je vais faire vite. Dis-moi où est mon équipage, je te laisserai en vie. Hein? De quoi tu parles? Ne fais pas l'innocente. Mon équipage et mes armes ont disparu. Qui d'autre que toi aurait pu les prendre?
moi, je suis la seule voleuse ici. Ah oui, alors tu pourras peut-être m'expliquer pourquoi ton oncle a un membre de mon équipage enfermé dans son labo. Ne sois pas ridicule. D'accord, je vais prouver que tu prépares un mauvais coup. Alors, elle a déplacé la bénie. Voilà, mon pauvre petit matelot. Juste ici, dans l'atelier de ton cher oncle. Qu'est-ce que tu vas dire pour ta défense, maintenant? Je n'étais pas au courant, mais je suis sûr qu'il y a une bonne explication pour ça. Moi, je sais. Tu voulais te venger de cet incident avec la lampe magique. Regarde, mon pauvre petit Tinkerbat sans défense. Il est terrifié. Ah oui, il a l'air terrifié, oui. Moi, je trouve que ça a l'air d'aller. Voilà. Sa dernière chance. Dis-moi où ils sont. Je veux mon équipage. Je veux mes armes. Je les veux, maintenant! Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il y a quelque chose qui se déplace dans la machine. Wow. Wow. Un cacalbat! Quoi? Non! Non, ce n'est pas possible! Que lui est-il arrivé? J'expliquerai plus tard, attention! Oh oh. Je n'ai pas d'arme, occupe-toi vite de cette créature! Je suis allé dans la baignoire, laisse-moi au moins mettre une tenue décente d'abord. Ah oui, elle a le temps de se changer! Oui. Donc, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant comme pattern. Ah, d'accord, je prends quand même des coups. Pas le pattern que j'imaginais. Et là, l'autre, elle prend pas de dégâts. D'accord. Tiens, débarrasse-toi de ce satané truc avec ça. Vous avez obtenu la lampe magique. Maintenez X pour aspirer des choses. Vous avez obtenu de la magie noire. Je l'ai eu. Bon, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Nous n'avons pas le temps. Et pour la lampe, tu ne vas pas essayer de la récupérer? Garde-la, j'ai du plus gros pain sur la planche. Et toi aussi, si le Pirate Master est de retour à Sekinland. Pirate Master? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui est le Pirate Master? Skeletalton, est-ce que j'ai le droit de visiter? Oui, d'accord. Très bien, donc on peut rentrer dans les bâtiments. Y'a rien d'intéressant, non. Okay. On en profite pour lire des choses. Les deux monstres, buvez-en pour augmenter temporairement votre attaque. Magie de la lampe relâchée par les cacalbats maudits, collectez tous les vins de la magie relâchée par les cacalbats maudits. Convocation, vous avez reçu l'ordre de rester chez vous sans causer de problème. Ok. Carte, il n'y a plus de carte. Ah mais c'est parce que je suis dans un bâtiment. Évidemment. Non, je voulais pas faire ça. Je peux pas parler aux gens. Donc là, il y a la camarade qui est dehors à droite. Donc on visite. Okay. Bon, ça va, c'est pas si mal que ça, ces choses. Ok, d'accord, j'ai rien dit. Vous avez obtenu de la magie noire. Ça va faire ça à chaque fois, parce que en termes de pattern, voilà. Elles sont, les petites mouettes sont mignonnes, je trouve. Je peux rentrer dans ma maison? Non, je peux pas. Hein. Qu'est-ce que c'est? Vous avez trouvé un calmar en cœur, qu'est-ce que c'est que ça? Calmar. Transformez-les en nouveau porte-cœur. Pourriez-vous trouver les 32 calmar en cœur, transformez-les en nouveau porte-cœur. Ça peut peut-être augmenter la vie. Je continue la visite. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? S'il te plaît, je voudrais rester seul. Ok, là, faut pas y aller. La sauvegarde, au fait, j'y pense, là. Si vous quittez, toute progression sauvegardée. Oh punaise. Je suis obligé d'attendre un vrai point de sauvegarde.
Je peux pas sauvegarder quand je veux. Très bien. Qu'est-ce que tu veux, ça ne te regarde plus, va-t'en. Ce pirate master, il a l'air plutôt dangereux. Dangereux, c'est la plus grande menace que Skinland ait jamais connue. La dernière fois qu'il est apparu, il a fallu combiner le pouvoir d'absolument tous les génies pour le battre. Une seconde, tu veux dire de vrais génies? Ils l'ont capturé? Il est mort, mais ne te laisse pas avoir. Sans les génies, le pirate master fera tout son possible pour retrouver la magie noire et revenir en force. La magie noire? La chose qui a transformé mon équipage. Il faut arrêter le pirate master ou ce sera la fin de Skinland. Mais franchement, il n'a pas le droit de détruire ce que je me suis à conquérir. Bah, je peux peut-être aider, hein. Une faiblarde comme toi n'aurait aucune chance face à un ennemi tel que le pirate master. Je vais m'en occuper moi-même. Comment? Il ne fait même pas le poids contre un seul Cacklebat. C'est vrai, mais si je détruis la magie noire à la source, je n'aurai même pas à me battre. En arrêtant le pouvoir dont il s'alimente, ça devrait pouvoir le maintenir là où il doit rester, dans sa tombe. Il ne me manque qu'une chose, une carte des îles interdites. C'est simple, bah, la bibliothèque du palais de Skinland. On ne peut pas aller au palais, ils me jetteront en prison. À moins que... Hé, me regarde pas, ils en ont appris mon fouet à monstre. Alors si je comprends bien, je dois me débrouiller seul. Mais je pourrais reconsidérer ma décision si tu m'apportes cette carte. C'est à toi de voir. Allez, c'est parti. Bah justement, à propos de cartes. Ah, je sais pas, je... Je pensais que les objectifs auraient été indiqués. C'est dommage ça, c'est vraiment dommage. Mais du coup... J'aimerais bien un point de sauvegarde en fait. Mais vraiment. Bonjour madame. Ah mais attends, je peux rentrer dans les machins. Je reviens en arrière. Je viens d'ici, on est d'accord. Donc, je reviens en arrière dans l'autre sens. Je vais là. Il y a un truc derrière. Hop là. Un calmar, un cœur. Faut être vilaine. Ok, d'accord, si tu veux. Bonjour, Odios. La calmartisane de Skuttleton à ton service. Je prends d'adorables petits calmars en cœur et je les fais fondre pour en faire plus de points de vie pour toi. Prêt à forger des porte-cœurs. Ouais, vas-y, go. Il me faut 4 calmars en cœur pour former un porte-cœur. Très bien. Donc en gros, il va falloir faire beaucoup d'aller et venu dans le jeu. C'est pas un jeu forcément linéaire. On va là-dedans. Oh, une borne d'arcade. Cool. Un squelette. Bienvenue dans mon magasin. Potion, potion auto, potion flambeau de pirate. Alors potion. Restaurer ta santé. Potion auto. Ça se soigne automatiquement. Notamment quand on est en train de décéder. Flambeau de pirate. Téléporte-toi sur le bateau instantanément. Usage extérieur seulement. Ça, c'est sympa ça. Boule à pointe, ça on sait ce que c'est. Boule à pointe plus. Ok. Bouclier bulle, la meilleure défense contre les projectiles. Pas la bonne catégorie. Comment ça, pas la bonne catégorie? J'ai mis chanté avant le stream. Sérieusement. Non mais Twitch, il faut arrêter là à un moment donné. J'ai mis deux fois à Chantaï, j'ai fait F5 et ça l'avait indiqué. Là, du coup, sans ré F5, ça fait n'importe quoi. Sérieusement, Twitch. Hein. Allez, on recommence. Et ça charge indéfiniment. D'accord, ok, merci Twitch. Allez, contrôle F5. On va recommencer, c'est pas grave. Ascendant, bouclier bulle, la meilleure défense contre les projectiles. Les deux monstres boostent ta force d'attaque dans ce plein de ce qui semble être des enzymes. Le monstre plus. Du shampoing. Oui, Nabila. Améliore ta chevelure pour infliger plus de dégâts. Ça, c'est chouette, ça. Mais est-ce que ça dure indéfiniment? C'est ça qui m'intéresse. Après shampoing. Une compétence supérieure de combat pour l'apprentissage du sprint arrière. Évite rapidement ton adversaire. C'est un dash. Apprentissage de la guérison, une compétence supérieure de combat. Pirouette arrière pour récupérer un gros coup d'un gros coup. Méga coup de pied, compétence supérieure de combat. Il y a des choses sympas à acheter en fait. Bon alors, on revient sur vite fait le panneau, le dashboard de Twitch. C'est chiant ce système là. Pourquoi ça a planté? And
là il veut toujours tourner, vous savez quoi. Ok, je laisse ça comme ça et je vais le faire depuis le téléphone. Depuis le téléphone ça plante jamais. Donc on va faire ça depuis le téléphone. Alors. Alors. Twitch. Ici. J'espère que je suis déjà connecté sur le téléphone, en vrai je me souviens plus. On vérifie ça. Alors, bouton de la chaîne. Gestion du stream. Petit crayon. Catégorie. Chantal. And the Pirate Curse. Enregistrer, mettre à jour. Je ferme la ça. Et maintenant, sur, en face de moi sur l'ordi, F5, suspense. Il est long, Pépère. Hein. Quand tu veux. Et là, ça fonctionne. Ok, d'accord. Il y a des choses que je comprends plus tellement. Alors attendez, par contre, j'ai reçu un mail important, je suis obligé de le consulter. Ok. Alors. Apprentissage. Pour l'instant, j'achète rien. De manière, j'ai pas tant de monnaie que ça, donc c'est pas grave. Voilà la bande d'arcade. Hé Loulou. Ah, Loulou, il est pas là. Tu veux essayer une partie coûte 10 bijoux. 10 bijoux, c'est la monnaie en haut à droite. Allez, go. Super. Tu as donné 10 bijoux. Super, Chantaillé Nab. Insère un coin. On est prêt? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Game over. Ok, je suis le singe, c'est bon, j'ai compris. Et d'un. Et deux. Non! Bon, j'en ai eu deux. Voilà, au moins j'ai pas eu zéro. C'est déjà pas mal. Au secours, quoi. Non, je rejoue pas. Non, mais non, j'ai mis non! J'ai fait B! Bon, bah, on refait, tant pis. Dommage. La désynchro m'a embêté. C'est pas grave. New top score. C'est pas grave. Il y a un new score. C'est ce qui m'intéresse. Continue de t'entraîner. Tu y arriveras. Non, je rejoue pas. Non. Ah, mais j'ai récupéré du butin. Cool. J'ai récupéré 20 pièces. Bon, au final, j'ai perdu 11 pièces. Quoi. C'est pas sur 30 dépensées. C'est pas très très grave. Derrière moi se trouve le magasin. Ah, mais on peut parler. Je vais continuer sur le rez-de-chaussée. Donc, on va aller là. Très bien. La sauvegarde. Oui. Ok. Par contre, ça m'embête qu'il soit... J'aurais aimé une sauvegarde quand je veux, en fait. Ça aurait été plus pratique. Pardon, madame. Ce sont des bains. Plonge dans cette source d'herbe. Ta vigueur sera restaurée à coup sûr. D'accord, ça me régène. Très bien. Je suis tombé. Au secours. Ah non, je dois faire le... Mais... C'est compliqué. Le personnage est bizarre. Un œuf de Yoshi? Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a l'oiseau! Chantal, je croyais que tu étais enfermé.
Je vais à la bibliothèque du palais pour trouver un peu de lecture, tu sais, pour passer le temps. Je peux emprunter ta carte de bibliothèque ? Toi, lire un livre, il faut que je vois ça. Vous avez obtenu la carte de bibliothèque. Ben, comme quoi, hein, j'ai bien fait de fouiller. N'abîme pas cette carte comme la dernière. Je grignote quand je suis nerveux. Ok, d'accord. Merci, Chantal. Mais c'est quoi cet œuf ? C'est pour faire des gros oiseaux ? Montre-moi cette carte de bibliothèque. Waouh, j'avais entendu dire que l'on prenait quelques kilos sur les photos. Mais dans ton cas, ça ne te fait les cheveux blonds et un visage complètement différent. Incroyable. Je suis sur chemin pour te rendre au palais de Sekinland et à la bibliothèque. Bonne chance. J'aurais peut-être dû save en fait. Chant d'épouvantail. Oui, prendre des dégâts, oui, bien sûr. Je peux pas l'avoir, lui ? Non. Ok. Il n'y a rien d'intéressant. Il y a un calamar cœur. Je veux. Oui. Ton perso a les oreilles pointues et grignote les cartes de Bubio. Ouais. Elle a pas trop les oreilles pointues. Ouais, quoi que si, elle a un peu les oreilles pointues. Ouais, je suis d'accord. Ah oh, punaise, c'est mieux. Je sens la citrouille qui va me tomber dessus. Non, de la magie! Vite! J'ai réussi à monter. Hein. J'aurais voulu aspirer la magie noire, mais j'ai peut-être pas de la magie noire. Est-ce que je suis obligé de tous les attaquer en vrai? Non! D'accord, on recommence là. Faut vraiment que je... Vous avez obtenu un morceau de viande. Oh, c'est nouveau ça. Faut vraiment que je fasse gaffe au placement. Alors, morceau de viande. De la viande savoureuse encore sur son os, elle restaure une bonne quantité de points de vie. Okay. Ouais, faut vraiment faire gaffe. Il y a un cal. Mais. Allô? Comment voulez-vous que je l'attrape celui-là? Oui. Ils sont... Ça repop. Punaise. YOLO. Et non. Alors, je peux pas mettre des annotations sur la carte. La minimap. Mais ici, il y a un calmarqueur. Que j'aime beaucoup. Comment l'attrapais-je? YOLO. Non, c'est pas comme ça. Bon. La sauvegarde. De nœuds. C'est quoi ça? Okay. J'ai bien fait de pas trop m'avancer, je pense. Mais elle me tire dessus. Attendez, mais il faut vraiment suivre les branches là, parce que je me suis dit, tiens, je vais aller dans les branches, c'est rigolo. En fait, non, c'est le chemin. Bien peur.
Penny sur 20. Ok. Et oui, il fallait bien suivre les branches. D'accord, très bien. Des choses en calamar. Ok, il y a un truc là-haut. Je sais pas comment l'avoir par contre. Palais de Sekinland. Bah, dis bonjour au moins. Bobo, qu'est-ce que tu fais ici? Bolo, pardon, qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde à Scuttleton me prend pour un raté. Alors je fais des petits boulots au palais, je repeins les barrières, j'installe les serrures, tout ça. Et tu fais du babysitting? Oh, les petits morts-vivants? Non, ils sont juste là pour tuer le temps. Le mien. Je peux pas m'échapper. T'as des sucettes à la viande sur toi? Il m'en faut 3. Tu peux en trouver dans les égouts sous le palais. Ce sont des vrais morts-vivants? C'est quoi ça? Lui. Salut. Pouh. Qu'y a-t-il, monsieur? Ne fais pas attention à moi. Je suis juste un peu perdu car j'ai fait tomber quelque chose de très important dans les canalisations. Je suis vendeur de brochures de voyage. C'est un métier très intéressant. Vous avez dû voir des tas de choses impressionnantes pendant vos voyages, non? Mes voyages? J'ai passé toute ma vie en face de ce palais. Je croyais que vous. L'arrogance de ta génération me rend malade. Je ne suis pas un vendeur de brochures qui voyage. Non, je suis un vendeur de brochures sur les voyages. J'ai fait tomber ma toute dernière brochure de vacances dans ces canalisations. C'est dégoûtant. Ok. Les canalisations ici et là, donc je suppose que là on va pouvoir en sortir à un moment donné. Je peux pas aller là-dedans. Allez. Wow! Bonjour! Oh, flûte et reflûte! Le squid baron? Je ne t'avais pas vu depuis longtemps, quel est le problème? Tu sais, le syndrome post-boss. Comme tu as embarqué pour une nouvelle aventure, j'ai l'impression que je ne vais servir que comme boss bouche-trou. Je ne suis pas sûr de comprendre. Tu sais, j'étais un ennemi important la dernière fois, mais maintenant, moi j'ai juste l'impression que l'on va encore se battre juste pour étoffer le jeu. Le jeu? Je ne peux pas comprendre. Piu, j'ai besoin de partir un peu, dans un endroit chaud. Il est peut-être temps de prendre des vacances, Squid Baron. Un peu de changement ne te ferait pas de mal. Oui, tu n'as peut-être pas tort, j'ai toujours une vision en deux dimensions de ce monde. Un peu l'impression d'être emprisonné entre les mêmes quatre murs, tu sais. Une musique répétitive, stressante, j'ai besoin de changer d'air. Voilà. Si tu trouves une bonne destination pour des vacances, tiens-moi au courant, tiens donc. En attendant, je vais aller pleurer dans un coin. Le pauvre. Et je tombe dans l'eau. Et je peux pas remonter? Si, c'est bon, ça va. Ouf. Ah! C'est rigolo, ça! D'accord. Je parie qu'un agent de voyage connaîtrait des bonnes destinations pour des vacances. Ok, je peux vraiment pas y aller. Mais ça, c'est le palais, on est d'accord. Donc, on va pas au palais. Et on va dans les égouts. À gauche ou à droite? Ah, je peux pas remonter. Ah, mais bravo. Une sucette à la viande. Ah non. C'est à la viande. Voilà. Et une sucette. On reprend là? Non. Une boîte à bento. Un assortiment délicieux d'aliments hautement nutritifs. Elle redonne beaucoup de points de vie. Punaise. Ça, c'est un jeu extrêmement punitif, je trouve. On va y arriver. On va y arriver. Et je tombe, sinon c'est pas drôle. Et elle repop, sinon c'est pas drôle. Il y a un truc de l'autre côté. On m'a tiré dessus par là. Punaise.
C'est là où il y a le calamar, je suis sûr. Je crois, je suis pas en vrai. Bonjour le cœur. Et je peux pas aller de ce côté. Et je retombe là, d'accord. Mais il y a bien une branche de ce côté là. Mais je retombe, je veux juste la montrer. Qu'est-ce que je fais? Je tombe. Allez, ça fait je sais pas combien d'essais pour cette petite araignée là. Une boîte à bientôt. Très bien. Là, il y a le cœur. Mais il est en pente. Donnez-moi un cœur. Ok, donc j'ai bien fait d'aller direct à droite, c'est très bien. Arrête. C'est quoi leur pattern? Ok, sucette. D'ailleurs, il y avait... Voilà. Sucette arrive, un aliment dégoûtant qui restaure un peu de points de vie. Je peux avoir des cœurs s'il vous plaît par contre. Ah je peux m'accrocher là, très bien. Il va faire quoi là? C'est à la viande. Il n'y a pas de wall jump, on est d'accord. Hein. Très bien. Il y a un truc là. J'ai eu quoi? J'ai cassé quelque chose, mais je sais même pas ce que j'ai eu en fait. Je ne sais pas. Aucune idée. Oh! C'était à la viande. J'ai eu une goutte tombée, c'est dangereux ou pas? Posez oui. Il y a des rats. Ok, faut que je me baisse pour les rats, très bien. J'ai eu d'autres items, je crois, non? Non. Par contre, il y a une carte des égouts, très bien.
Le cœur, très bien, ça fait 4 cœurs, je crois. Je fais comment pour... Ok, voilà. C'est de la viande. Et là, on revient ici. Mais c'est pas là où je veux aller. Punaise, j'ai peur. Yeah. C'est quoi ça, là-haut, là? Là. Faut-il que je revienne en arrière, que je ramène les trois sucettes à mon camarade? Là, il y a quelque chose là, mais je sais pas. Rien là, y a rien là. Là c'est bloqué. Bon, bah demi-tour je pense. Je vois pas trop quoi faire. Attention aux ennemis par contre. Ah, quoique je peux peut-être passer par là. Voilà. C'est plus simple. YOLO. Alors petit poulpe, je viendrai plus tard. Hein. D'abord. Et bonjour. Voilà, des sucettes. En fait, si tu vas au palais, tu pourrais rendre cette clé de la porte royale. Un idiot a dû la perdre. Elle est couverte de marques de dents. Je l'ai trouvée dans ma bouche il y a une heure, tiens. Quel idiot. Vous avez obtenu la clé de la porte royale. Ok. Donc en gros, j'ai bien fait de pas frapper à la porte avant. Mais est-ce que cette porte, cette clé, peut nous permettre d'ouvrir le coffre en bas, en vrai? Mais il me reste qu'un quart de cœur, je prends un coup, c'est fini. Impossible, tu as la clé de la porte royale. Est-ce que tu... Oui, allez, on lui donne. Vous avez donné la clé de la porte. Ah, c'est absolument magnifique, je peux enfin ouvrir ceci. Détacher cela, rattacher ça, et le tour est joué. Le palais de Sekinlong est de nouveau ouvert, public. Ah, entre donc, je t'en prie. Est-ce qu'on peut save, s'il vous plaît? Ça m'arrangerait. Bienvenue au palais de Sekinland. C'est tout? Il y a des ennemis ici ou pas? J'ai entendu dire que la sultane est en voyage. Je me fais du souci lorsqu'elle est si loin du palais. Ah bon? Elle est en voyage? Mais la convocation dans ce cas... Quelle est cette odeur? Oh, ce n'est pas mon armure. La bibliothèque royale, par cette porte et au bout du couloir. C'est une salle de boss. Oh bonjour, une visiteuse. Laisse-moi voir ça. Oh, cette carte de bibliothèque ne trompe pas mes vieux yeux. Tu venais tout le temps ici. Tu es la fille du chasseur de reliques, non? Oui, enfin, c'est mon oncle. Qu'est-ce que c'est que ça? Une convocation de la cour. Vous donnez la convocation. Il y a écrit que... ciseaux, cisaille, bouche de chèvre. Quoi? Il compte couper ses jolis longs cheveux? N'est pas possible, si tout simplement je classais ces papiers jusqu'au retour de la sultane. J'aimerais bien te faire un clin d'œil complice, mais malheureusement, mes paupières ne fonctionnent plus. Prends tout ce que tu es venu chercher. Merci beaucoup. Le globe creux renferme un secret. Vous avez obtenu la carte des îles interdites. Garde le moral, jeune fille, tu as des amis autour de toi, bonne chance. Ok. J'aimerais bien toujours save. Par contre, qui est la sultane? Pourquoi elle est absente? Ça, c'est une bonne question. Ouais, retour en ville. Faut que je repasse par la forêt nulle là. J'y pense.
J'ai échappé à ces gosses, on est juste en train de discuter maintenant. Pas facile de faire la différence, j'imagine. En effet. Faut que je repasse par là. Oh oui, alors non, par contre, j'ai pas envie de mourir. C'est ça qui restaure de la vie. Voilà. Allez, une boîte à bientôt. Vite. Okay. Non. C'est pas très grave. Je sais que je peux redescendre ici. La sauvegarde. Ah voilà. On va l'appeler Papy Sauvegarde. Le cœur, pitié, rendez-moi le cœur. Viande. Argent. Il me fait peur en haut. Retour en ville. Bienvenue à Scuttleton, ma chère. La boutique, la save d'abord, la save. Ça aurait été mieux d'avoir une save dans le palais, en vrai. Là, c'est la boutique des améliorations. Oui. Alors, on va acheter des choses. Améliore les dégâts. On va partir sur ça d'abord. Donc, maintenant. Non. D'accord. C'est ce qu'ils appellent rapidement. Et il faut que je me mette face à l'ennemi pour reculer. Ok. C'est pas une compétence que je vais avoir le réflexe d'utiliser, mais ok. Ah oui, 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 le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Calme artisan. En adorable, blablabla. Je l'ai fait. Pour en faire des points de vie. Ouais, super. Il est fort. Allez, j'ai gagné un max de cœurs. Très bien. On a assez déjà qu'il y a deux cœurs que j'ai pas. Hein.
de Calamarca. Pourquoi tu as mis autant de temps? Bah, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai trouvé ça à la bibliothèque, une carte des îles interdites, comme tu disais. On dirait que la petite bonne n'a rien, et bonne a quelque chose après tout. Je vais pas ramener la carte de bibliothèque, quoi, tu penses? Vous avez donné la carte interdite. Tu vas me laisser t'aider? Seulement si tu acceptes de faire exactement ce que je veux quand je le dis. Le pirate master est mon ennemi, pas le tien. Et quand tout sera fini, ce sera chacune de son côté. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais c'est d'accord. Battons ce type ensemble et sauvons cette énorme. Attends, qu'est-ce qui me dit que tu ne vas pas me jouer un tour? Est-ce que je te mentirais? Dis bonjour au Tinker Tub Océanique à vapeur Mark 2. Mark 2, qu'est-ce qui est arrivé au premier? Tu es arrivé, monte à bord avant que je change d'avis. Ah, je voulais rendre la carte de bibliothèque. Ah, intéressant. Skeletalton, il me manque 2 calamars et 3 3 chauves-souris, je sais pas comment ça s'appelle. On a l'île salive, quelque chose en l'air, re-quelque chose. Donc en gros, ça fait combien de niveaux? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 niveaux. Très bien. On va quand même revenir en ville très vite fait. Je veux rendre la carte de bibliothèque. Parce que ça a été demandé si gentiment. Déjà de retour, c'était rapide. J'ai obtenu ce que je voulais, merci. Vous avez donné la carte de bibliothèque. Je sais que tu es considéré comme responsable de ce qui s'est passé avec l'amo baron, alors j'ai vendu quelques-uns de mes oiseaux de combat pour t'aider à te refaire. Mais Sky, ce sont toutes tes économies. Ah, m'a donné 100 sous. Mais c'est tellement gentil, madame, merci beaucoup. Ah ben, j'ai bien fait de rendre la carte de bibliothèque. Save. Non, boutique, et après save. Alors... 150 pour Régène, 400 pour le méga coup de pied. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Je mettrais bien un petit comme ça. Ouais, si, on va faire ça. Et un après shampoing. Voilà. Et après, c'est 150 le prochain niveau de ça. Ok. Et on va save par contre. C'est intéressant ça. C'est toujours save. Allez, go.